On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les trottins ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on en finit avec les multi, vidéo numéro 8, multi en 7. Voilà, une 1777 un peu pour se faire plaisir avec les yeux, ça nous fait penser à d'autres choses. 8 jeux à décrypter avec les mises à côté. On se rend compte que si j'avais fait une vidéo, j'en ai discuté avec plusieurs abonnés, multi 4, multi 5, multi 6, multi 7, ça vous fait 26 jeux à décrypter. Donc la vidéo, elle aurait duré 25 minutes avec des croix de partout, les têtes énormes. Donc je pense que c'est bien. Chaque vidéo a son multi et j'essaye de vous donner un maximum d'informations. Donc les amis, c'est parti. Premier jeu, donc multi en 7, 3 euros. Très simple. 7 chevaux à plat, donc un jeu qu'on va retrouver ici en 8 chevaux, que je fais assez souvent dans des quintés voilà, vraiment illisibles pour essayer d'arracher un beau multi. Le plus beau que j'ai pu prendre en multi 7, 3 euros, septembre 2011, 723 euros, donc pour 3 euros, vendredi soir, un quintet de nocturne. Ça peut être sympa parce qu'on a 3 erreurs, donc on a de la marge pour essayer de se prendre un petit multi. Deuxième jeu, donc le premier jeu avec une seule croix, 6 de base, 5 derrière, donc on a joué, 11 chevaux. On a la chance que dans notre base, il nous en faut 3, donc on a 50% de réussite ou 50% de perte. Voilà, faut comprendre. Et notre cheval derrière pour toucher une fois le multi en 7. Si nous avons les 4 dans la base, qui est bonne, nous touchons 1, 2, 3, 4, 5. Plus on met de chevaux, plus on touche le multi en 7. Le jeu suivant, donc vous voyez bien, c'est des jeux qu'on a pratiquement vu tout le long des vidéos. Le double X, donc c'est un jeu que j'ai fait assez souvent. Je lui mets la petite Astérix, que j'aime bien. Donc 5 de base, double X, 5 derrière, coût 30 euros. Pareil, même système, pour toucher une fois le multi en 7. Donc la différence des double X, il nous en faut 2 de la base et 2 de derrière pour toucher une fois. Si nous avons 3 de la base et 1 de derrière, même système qu'hier du multi en 6, on sacrifie le numéro et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 suivant la longue qu'on a fait. Ça peut être très intéressant même dans un tiercé un peu lisible, mais il suffit que le multi en 7 il fasse 20 ou 30 euros, ça chiffre vite. Et si nous avons toute la base qui est bonne, voilà, même système que le multi en 6, 1, 2, 3, 4, 5 qui vaut à une croix ici. Deuxième croix, ça fait 10 fois. Voilà. Le jeu suivant, donc le triple X, 4 de base, 5 derrière, 30 euros, toujours le même système, mais vous avez vu, on monte en croix, mais en baisse de chevaux de base, donc des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre. Alors pour toucher son multi, il nous faut minimum 1 cheval de base et 3 de derrière. Si nous avons 2 de base et 2 de derrière, on touche plusieurs fois. 3 de base et 1 derrière, encore plusieurs fois. Et bien évidemment, 4 de base et derrière, ça ne sert à rien parce que nous avons la totale. Nous le prenons 10 fois. Ça, c'est sûr, parce que ça m'est déjà arrivé. Ensuite, le jeu suivant. Donc, 3 de base, 4 croix, 5 derrière, coût du 15 euros. Pareil, on perd en mise de départ, mais vous avez vu, on perd en base. Donc, d'un côté, moins cher, mais moins de chevaux en base, donc moins d'erreurs. Même système. Alors là, si nous avons tout faux dans la base, avec l'avantage des 4 croix, nous touchons une fois le multi en 7. Ça, c'est sûr. Maintenant, si nous avons 1 de base et 3 derrière, on touche le multi. 2 de base et 2 derrière plusieurs fois. Et 3 de base plus celui de derrière aussi plusieurs fois. Ensuite, on passe au jeu 2 de base, 5 croix et 6 derrière. Je lui ai mis le petit astérix parce qu'hier, un abonné m'a
fait la réflexion, pourquoi il y a 6 chevaux dans le même jeu à 18 euros que le multi en 6. Vous avez vu, c'est toujours 5 derrière. Là, il y en a 6. Parce que 2 de base, 5 rois, 5 derrière, ça n'existe pas en multi 6 et en multi 7. On est obligé de mettre le 6e cheval. Même système, si nous n'avons pas la base et que derrière, nous avons les 4. On touche une seule fois. Vous avez vu, c'est quand même souvent répétitif dès qu'on a compris le système. 1 de base et 3 derrière, on touche une fois. Et 2 de base et 2 derrière, on touche plusieurs fois. Et on finit avec le champ réduit, avec le jeu 1 de base, 6 croix, que j'ai déjà fait. Voilà, 1 de base, 6 croix. Derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coût 21 euros. Alors, pareil, même système, si nous n'avons pas la base et que le multi c'est 2, 3, 4 et 5, on touche une fois le multi en 7. Et si nous avons notre base, qui est bonne, qui m'est déjà arrivée, on touche le multi 4 fois. Un petit quintet, un peu lisible, on met la base solide, derrière on le touche, on va le chercher x 4. Bon, ça serait bien que le multi fasse au moins 5 euros pour qu'on récupère la mise de départ. Les multis se jouent toujours, je le répète, en multi plein, 50% ou 25%. Et nous finissons donc la série des multis, donc le 26e jeu, le multi qu'on dit toujours à plat. Donc vous voyez 8 chevaux, 24 euros. Donc je vous mets toujours, plus on rajoute de chevaux, plus ça coûte cher. Donc faire des multi en 7 à 9 chevaux ou 10 chevaux à plat, ça sert à rien. Excusez-moi, il vaut mieux jouer un simple. 24 euros, donc à la différence, vous avez vu, de 3 euros, on rajoute un cheval. Donc c'est 8 fois plus cher. Pareil, même système, si nous avons le multi, ça c'est un jeu que j'ai jamais fait. Donc je ne peux pas savoir, mais normalement avec les renseignements que j'ai pu trouver, on peut le toucher une fois ou plusieurs fois, suivant en fait les arrivées. Voilà, parce qu'il y a des choses que je maîtrise, mais d'autres que je maîtrise moins. Donc ça peut être sympa si on pense trouver le multi en 8 chevaux, 24 euros, suffit qu'il paye, ça peut faire du bien. Sinon, je pense que c'est un jeu multi 7, non, franchement, voilà. Ici, dans ce multi, j'aime bien celui-là. Et j'aime bien celui-là. Voilà, c'est les deux jeux que j'aime, que j'ai déjà fait très souvent en multi en 7. Ceux-là se font aussi, mais moi je préfère ces deux-là. Voilà, les amis, c'est fini. Vous avez vu, c'est allé assez vite. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo, donc la vidéo report. Donc il me reste les simples, les couplets, le super 4, le pic 5, 10 picots. Et le report, demain c'est le report. Un petit pouce bleu sur les vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous comprenez pas, si je peux vous aider. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous les amis. Ciao !